Tu lui donnes un câlin? J'espère que vous allez bien. Nous, on est vraiment, on est vraiment en mode randonnée. Je vous explique. J'ai préparé le sac à dos, la casquette, les boissons, tout, l'échange, tout. On a pris Poupie aussi. Et voilà, je vais chercher mes grands-parents. Et voilà, j'ai pris le vélo. Je pense que j'aurais pas dû le prendre. Parce qu'elle a encore du mal à faire. Enfin, la drésienne quoi. Mais bon, je l'ai pris, je sais pas, on va voir déjà si ça va rentrer dans la voiture parce que je prends mes grands-parents aussi avec moi dans la voiture. Donc je sais pas, si ça rentre, on la prend, si ça rentre pas, on la prend pas. Voilà, j'espère que vous allez bien les filles. Et voilà, je vous fais des bisous. Je vous avais dit que c'était... J'ai passé toute mon enfance là où on va aujourd'hui. Mais vraiment toute mon enfance. Je disais à mon père qu'on allait là-bas et je lui disais t'imagines, c'est mamie, elle m'a emmenée quand j'étais jeune, genre je sais pas, je devais avoir 5 ans, 4 ans, hier ma grand-mère du coup elle est partie en mode émotion et elle m'a envoyé des photos de moi là-bas, je vous les mettrai mais vous ne verrez pas, je suis toute petite, on dirait mini Moïse, mais moi je sais que c'est moi, ma grand-mère et tout, et j'ai dit à mon père t'imagines que mamie elle m'a emmenée quand j'étais petite, je devais avoir l'âge de Charlie et maintenant c'est moi qui emmène mes enfants genre. Ouais. Bon, avec ma grand-mère, quand on y allait, on passait genre 2 semaines, c'est nos vacances, genre c'était les vacances, on avait passé les vacances là-bas. Là, on va rester une après-midi. Mais voilà, j'ai vraiment passé toute mon enfance là-bas. Toute mon enfance. Voilà les filles, donc peut-être séance émotion. Je sais pas, ça va me faire bizarre. En plus, apparemment, il y a toujours l'endroit où on allait, l'hôtel il est toujours ouvert par les mêmes propriétaires et tout. Voilà, genre j'aimerais trop, c'est ouvert, demander à voir les chambres et tout. Je me rappelle comment c'était ancien, mais c'était à l'époque, quoi. Genre à l'époque c'était normal. Puis bon, c'est la montagne, donc c'était l'esprit de la montagne, mais maintenant on a évolué et tout, c'était devenu moderne. Voilà. Je vais emmener Charlie faire du poney, j'en faisais quand j'étais petite, les trucs que je faisais quand j'étais jeune, quoi. Donc voilà, je vous fais des bisous les filles, à tout à l'heure. Il a les yeux. T'as vu? Non, c'était de l'eau. Regardez les filles. Bol! Franchement, les filles, en 2 secondes, je l'ai mis. Trop pratique. Trop pratique. Vraiment trop bien. Ça va, mon ourson? Mon amour. Et les petits pieds. Et Bol! On va marcher, mon petit cœur? Néné! Bon. Là, pour Charlie aussi. Ah ouais, là j'aurais peut-être pu en mettre un devant, un derrière. Je vous jure, non, trop bien. Mon bébé, là je peux marcher des heures, les filles. Chez l'eau, il y a du plat là-bas. Ah, peut-être mettre une casquette à Joy, j'ai une casquette dans le sac à dos. En fait, c'est bon, mais bon. On a pris Poupie, il y a Frigo. Ouais, Néné, voilà, et les fleurs, mamie, tu veux pas lui cueillir une petite fleur jaune? Non, on va lui faire toucher l'eau, là, regarde. Tu veux toucher l'eau? Tu vas toucher l'eau. Regarde, maman. Waouh. Tiens. Tu veux la prendre, toi? Tiens, prends une d'autre. Allez, viens, on va toucher l'eau. Allez, viens. Tiens, mon bébé. Ah, d'accord, on a la même. C'est la maman. On la met là? Non, pas la maman. Non? Viens, maman. Regarde, papy, il va où? Mon grand-père. Mon père avait une casquette. Qu'est-ce que tu veux? T'as la classe, tu veux que je desserre? Pas beaucoup, hein. Elle est serrée? Non, c'est bien. Allez. Et Charlie, t'es pas... Regardez les filles, oh, j'ai passé toute mon enfance, mais j'ai l'impression que ces maisons-là, elles n'y étaient pas. J'ai dit à ma grand-mère, c'était cet hôtel. Quoi? Viens, on va boire du coca.
Maman, elle va se boire un coca. Non. Regardez les filles par où. Quoi? On était tout le temps à l'auberge Marie-Madeleine, on dormait là tout le temps. En haut, c'était notre chambre là-haut. Ah non, c'est. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je veux pas. Tu veux quoi? Tu veux pas? Maman, la soif. Tu vas aller là-bas, mais il n'y a rien, mon cœur. Après, on va venir. Allez, viens. Les filles, ça n'a pas changé. Genre, c'était comme ça c'était à manger là au restaurant. Par contre, là-bas, l'entrée, ça a fait changer. Oui! Attends. Ah! Ah non! Donc voilà les filles, l'auberge où on était tout le temps. On y allait tous les ans, mamie, non? Ah oui, pendant 20 ans et toi, pendant 10 ans tous les ans, les filles. Vous imaginez? Attention, voiture. Et ça doit faire 20 ans. Ça va faire 20 ans que je ne suis pas retournée. Voilà. Le temps passe, ça fait peur. Comme ça, à plat. Ah, c'est tout doux. À plat, ici. Pas sur le côté, devant. Voilà. Devant, ici. Que ici, hein. Ouvre la main. Ouvre. Voilà. Doucement. Ça mord, hein, ça a des dents. Hein. Voilà. Enlève la main. Voilà. Purée. Allez, viens, on va demander pour faire du poney. Il y a un tout petit, là. Attention, le caca. Du cheval. Mon amour. Ici, là. Il fait comme ça avec les sabots. Là, c'est juste là. Il fait comme ça. Ça, c'est des sabots. Non, là, c'est là. Il fait comme ça. Et là, les pieds. Non, là. Quoi? Là, c'est le pied. C'est là que. Ici, là, le pied. D'accord. C'est ça avec les pieds? Oui. Ah. Oh. Vas-y, fais. Et je vole. Et je vole, oui, et je vole. Oui. T'es contente, Boule? Boule? L'autre côté? Côté? Oui, c'est là. Oui. T'es contente? Joy, coucou. Voilà le sourire. Oui, le sourire. On fait je vole? Et je vole, et je vole, et je vole. Tu peux la remonter, mais comment je vais la remonter? Le truc, il est déjà là. Non, c'est bon. Je peux pas remonter. Genre pour qu'elle soit plus haute. Non, mais je suis au max, là. Déjà, j'ai les épaules, j'ai serré à fond. Non, franchement, elle est bien accrochée, elle est bien. Et je vole. Elle rigole depuis tout à l'heure. Elle est contente. T'es contente? T'es contente? Maman. Et moi cette flemmarde. Elle veut rien faire, elle veut pas marcher, elle marche 3 mètres. Même pas à quel 3 mètres, elle marche 2 cm, elle en a déjà marre. Avec ma grand-mère, on s'est dit la prochaine fois qu'on veut remonter, je reprends le même que j'ai pris à Joy là autour de bébé. Il est incroyable. Là j'ai mis Joy toute seule les filles. Il est trop bien, il est léger, il est trop bien. Et j'en ai déjà eu un des porte-bébé. Genre grave compliqué. Il est trop bien, il est hyper bien. Donc il est pas cher, il est trop bien. La prochaine fois j'en prendrai un autre pour Charlie, le même. Je mettrai sur le dos de ma grand-mère. Parce que là, j'aurais bien marché. Mon grand-père est dans la voiture, il se repose, il est fatigué. Il a mangé toute la carte, donc là il n'arrive plus à avancer. Et voilà, il y a Charlie là qui se repose. Voilà. On va faire du poney, mais la dame elle est partie en promenade. Donc dans une heure. Voilà les filles. Bon, ça non. Je sais pas. Ma grand-mère, je lui ai lu ton message, elle m'a dit ça doit être quelqu'un de Nice. C'est vrai qu'il y avait des balançoires maintenant que tu me le dis. Il y avait des balançoires sur un arbre. C'était ça, ben, elle était accrochée à un arbre. C'est pour ses filles qu'il avait fait et ça. Et il y avait une de ses filles qui était plus grande que moi, donc il n'y avait plus de balançoire. Non, 29. Là, oui, bah elle a mon âge, elle va pas plus faire de la balançoire. Ah, ben, c'est ça fait longtemps oui. Hein, qu'il les a enlevés. Il y avait un baby-foot aussi. Oui, mais dedans. Ouais, dedans. Non? Ouais, attention, il y a deux enfants. Charlie, elle ne veut plus descendre du poney. On fait la petite balade. Ah, Néné, c'est bien mon cœur? Oui. Ça te plaît? Allez, c'est, vous savez? Genre, elle a peur. Hein, Charlie?
Elle avait peur, Joy, et toi, t'as peur? Non. Non? Tu fais tchic 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 tchic. T'es contente? Elle veut sauter. Mets bien ça là. Hein? De quoi? On va acheter du fromage. Les filles, on a pris du miel, on a pris des fromages et là on a pris des œufs. Des œufs frais, les filles. Regarde. Néné, t'as vu? T'as vu? C'est sa sœur. Regarde. Oh, quelle sœur? Oh, qui sont jolies. Comment tu sais que c'est sa sœur? Comment tu sais que c'est sa sœur, mamie? On va le montrer à Fuego. Bien Fuego. T'as vu Charlie? Regarde Fuego. Regarde Charlie. Oh, regarde. Là. Qui c'est ça là-bas? Alors les filles, regardez. Donc ça, c'est la première paire. Gros coup de cœur. Je les trouve incroyables. Avec les gros lacets comme ça, c'est hyper tendance en ce moment. Vous pouvez resserrer. J'ai les trouve mais magnifiques. Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait là vous avez effet d'un. Et ici les filles, c'est une autre matière. J'adore. Je les trouve incroyables avec une doudoune et tout. Je les trouve trop belles. Vraiment magnifique celle-là. Ensuite les filles, petite paire de bottes comme ça, simple, avec les lacets. Vous avez comme d'hab le petit zip pour ouvrir et mettre votre pied. Donc super simple à mettre, pas à défaire tous les lacets. Là vous avez la petite chaîne. Voilà, je les trouve super jolies. Genre gros classique. On est parti se prendre un McDo et mon grand-père, c'est la première fois qu'il découvre le McDrive. Il a jamais fait un truc importé. Donc là, il disait mais qu'est-ce que c'est tout ce truc? J'ai dit ben en fait il y a un truc où tu commandes, un autre endroit où tu payes, un autre endroit où tu prends ta commande. Qu'est-ce que t'en penses, papy? J'en pense que c'est trop long. Et encore fin, c'est un fast-food, c'est hyper rapide. T'arrives à la fin, t'as plus fait. Hein. Non mais parce que là il y a du monde, sinon c'est rapide des fois. Genre ça peut être super rapide, s'il y a personne, tu prends, tu t'en fous. Tu pars. C'est rapide, mais là c'est oui voilà, clair. Mais là c'est plein les fils. Ah c'est dimanche, c'est vrai. Déjà manger McDo mon grand-père, mais d'habitude c'est moi je commande et ma grand-mère elle lui ramène. Genre il est jamais allé au drive. C'est la première fois qu'il découvre un drive. Et je viendrai plus, hein. Tu préfères qu'on te le ramène à la maison? Hein? Tu préfères qu'on te le ramène à la maison? Ah ouais. Voilà. Froid, t'en fous. Parce que là, tu peux le manger dans la voiture, après il est chaud. Ouais, je m'en fous. Moi. Mon grand-père, là, il dit. Oh, il est en bébé, il me dit, mais qu'est-ce qu'on attend là? Je dis, ben à manger. On n'a pas eu à manger. On nous a amené à boire. On n'a pas à manger. Et après, on doit encore attendre quelque chose. Pour les desserts. On doit encore avancer et après, on va chercher des desserts. Oh putain, pourquoi on a pris des desserts? Il fallait pas prendre de dessert alors. Je rigolerai.